Salut Pascal, ça va? Oui, ça va. Ouais, j'espère que t'as fait un travail avec de l'allure, là. Pas de misère. Bon, ben écoute, donnez-moi des feuilles, là, je vais me débrouiller. Assieds-toi. Non, écoute, Pascal, ça va pas, là, je te l'ai dit. C'est pas un petit travail de session ordinaire, là. Ça, c'est un film. Là. C'est ton scénario, je le tiens pas tellement debout. Ouais, tes personnages n'ont pas de consistance. Non, vraiment, là, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir faire un film que de l'allure. Mais j'ai pas rien que ça à faire, moi, de travailler 24 sur 24 pour faire un scénario de film. Je veux dire, j'ai 8 autres cours à faire, j'ai pas rien que ce cours-là. Faut que je travaille 16 heures par semaine pour payer mes études. Ouais, mais écoute, les étudiants disent toujours ça, là. De toute façon, soyons concrets, là. Dans l'état actuel des choses, je peux pas te donner le OK pour que tu fasses ton film. Oh, mais regarde, c'est tout ce que j'ai fait là-dessus. Parfait, écoute, je regarderai pas ça. Bon, écoute, tu sais que normalement, là, je devrais pas te donner cette chance-là, là, mais bon, c'est correct. Fais-le, là, mais faut vraiment là, que tu te forces parce que ça va, c'est mal parti. OK. Merci, Jacques. Salut, là. Bon, puis oublie pas, là, Pascal, hein, que tu peux le couler, hein, ce cours-là. Ça se peut, hein. Puis oublie pas de faire tes screen tests. Ah oui, j'oublierai pas. Bonne chance. Salut. Salut. Tu vois, Richard, ça va être écœur, hein? Mon film va être hot, je vais pouvoir aller à l'université. Tu peux me mettre ça là, s'il te plaît, toi? Non. Oh. Calisse, tu veux dire quoi que personne n'est arrivé encore? Il n'y avait rien qui marche dans ma crise de vie. Je vais aller faire le téléphone. Ouais, fais donc ça. Oui, Pat, s'il vous plaît. Oui, Julie? Oui, est-ce que je peux parler à Alex, s'il vous plaît? Oui, comment ça, tu peux pas venir? Non? OK. Mais quoi, on peut se fier sur toi? Oui, Émilie! En plein ça, c'est moi, oui? C'est aujourd'hui, c'est ça? Quoi, tu peux venir? Ah, merveilleux! Ah, mais je t'attends. Fantastique! On va le faire, le film, Richard. J'ai trouvé Émilie. Salut, et ça puis, va? Toi et moi, on va faire les deux autres comédiens. Puis la caméra, l'éclairage, qu'est-ce qu'on fait avec, là? L'éclairage, ça, moi, ça, là. C'est fou, hein. OK, action. T'as voulu te moquer de moi, maintenant tu vas payer. On va voir ça, mon feu. Tout de suite. Je t'aime, Mélanie. Moi aussi. Et n'oublie pas que demain est un autre jour. C'est de la merde! Si je peux pas faire plus! Pas le choix, je vais porter ça au prof. Tiens, Steven Spielberg en personne. J'ai regardé ton film. T'as pas tenu compte de mes remarques, t'as pas respecté ta règle des deux tiers. Ta caméra, c'est un plan d'ensemble tout le long, c'est du théâtre filmé. Les comédiens sont pourris. Le plus pourri, c'est toi d'ailleurs, j'avais dit de pas jouer dans votre film. C'est raté complètement. La scène finale est la scène la plus ridicule du 7e art. C'est pourri, t'as coulé ton cours. On va débarrasser la terre de cette merde-là! Non! Ça me fait chier. Tu me fais peur, Jacques. J'ai tellement peur parce que c'est toi qui as le contrôle sur moi. C'est vous autres, les profs, qui nous donnent un avenir ou pas. C'est tellement difficile d'être un étudiant. Ah, fuck off. J'allais t'affronter, mon vieux.
Je me suis chauffé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes.